Alors, Volvo XC90, le SUV passe à l'électrique et change de nom. Voyons. Les futurs modèles adopteront un véritable nom comme si c'était d'un enfant, déclaré à Cannes Samuelson, PDG de Volvo, lors de la Keynote. Un peu comme fait Renault avec la Zoé, la Clio, etc., la MegaN aussi. Donc ça va être la, la, même, la même idée pour, euh, pour Volvo, quoi. Donc le XC90 sera ainsi le premier à abandonner le préfixe XC qui désignait alors jusqu'alors les SUV de la gamme. L'autre changement portera sur la plateforme de ce nouveau vaisseau amiral de Volvo. Ce XC90-3, continuons de l'appeler ainsi jusqu'à l'officialisation de son nouveau nom de baptême, reposera sur la nouvelle plateforme SPA. Il toit, euh, SPA-2, pardon, totalement dédié aux véhicules électriques. Comme annoncé sur le concept recharge, les batteries ne seront pas placées sous le plancher. Elles formeront directement ces dernier, pour augmenter encore la rigidité du châssis. Leur densité énergétique devrait progresser de 50% par rapport aux éléments actuels et fournir une autonomie approchant 1000 km. Euh... Voilà, 1000 km pour un SUV, c'est juste colossal quoi. S'ils arrivent à le faire, franchement, bravo. Ce SUV haut de gamme conservera une silhouette imposante des dimensions généreuses avec un empattement de près de 3 mètres et des portes à four réduits. Le modèle pourrait toujours offrir un habitacle capable d'embarquer jusqu'à 7 passagers. La présentation intérieure devrait s'inspirer de la sobriété avancée par le concept Recharge avec un écran tactile vertical façon Tesla. Le système d'exploitation de la dalle sera développé en partenariat avec Google. Au rayon des équipements de sécurité, Volvo mise sur le LIDAR, un système placé au sommet du pare-brise et capable de détecter des autres usagers à plus de 300 mètres. Le patron de Volvo envisage de proposer de série sur sa nouvelle gamme. Le LIDAR, donc, on imagine. Volvo devrait dévoiler son grand SUV ainsi que sa nouvelle appellation printemps 2000... 2002. Ah, d'accord. On va remonter le temps, du coup. 2022, évidemment. Il se sent un petit peu planté dans l'article. L'auto. Sera commercialisé au second semestre, donc deuxième partie de l'année 2022, en gros. Eh bien, nous avons hâte de voir ça. Et le nom, les caractéristiques, l'autonomie, le prix, surtout, qui va être salé, à mon avis, vu que le XC90, quand même, c'est une belle bête. Hein. Concurrent futur du Model X et de l'ID8 Volkswagen, je pense. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.